Et bonjour à tous, vous êtes sur G d'Interview et aujourd'hui je reçois Jérôme, aussi connu sous le nom de Brand de chez Lapin Marteau, pour faire la promotion d'un jeu qui n'en a apparemment absolument pas besoin car il est déjà à plus de 500% de son financement. Donc on va parler de Château Falkenstein. Mais pour qu'il soit pas venu pour rien, on va également parler de Lapin Marteau en général, hein, parce que ça mérite également. Et pour m'aider dans ma tâche, vous le reconnaissez peut-être, je serai accompagné par Monsieur Filou, qui reste un amoureux inconditionnel de Château Falkenstein. Si vous pouvez regarder la vidéo sur le Café Rôliste où il nous en parle avec passion. Et s'il a bien fait son devoir, il aura quelques questions sur les différences entre cette nouvelle édition et celle de 95. Messieurs, bonjour. 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 Donc, ben, histoire de commencer et de faire ça de façon un peu propre, est-ce que tu pourrais ben, te présenter en quelques mots? Donc, je m'appelle Jérôme, je travaille pour la Lapin Marteau, comme tu l'as expliqué. Enfin, je fais du jeu de rôle depuis que je suis gamin. Je veux dire, ça a toujours été ma passion, pas dire mon obsession. Je travaille dans le jeu de rôle depuis une vingtaine d'années, on va dire, avec différentes casquettes, que ce soit auteur, éditeur, critique pour certains magazines. Ça m'arrive d'aller faire intéressant sur des colloques ou des trucs comme ça. Bref, si c'est du jeu de rôle et que ça me parle, a priori, je suis partant, quoi. Du coup, j'ai une petite question pour toi en tant que vétéran. Quel jeu tu conseillerais pour débuter dans le jeu de rôle? Alors, j'ai très envie de répondre Yutama, mais ce serait un peu partiel. Moi, en fait, ce que je faisais faire quand je voulais faire des initiations au jeu de rôle, c'est-à-dire faire jouer d'autres personnes, je ne sais pas si c'est le sens de ta question, c'était de partir sur des choses très simples, en fait, qui ressemblent un peu à Agatha Christie ou au Cluedo, avec des personnages pas très compliqués, avec souvent une seule dimension. Et qu'on imagine tous, on n'a pas forcément besoin de s'embêter avec un univers très complexe, on n'a pas besoin besoin de s'embêter avec des choses très techniques. Souvent, le premier truc qui bloque, c'est vraiment d'incarner un personnage et de parler à la place du personnage, sans forcément chercher à faire des effets très compliqués, hein. Mais être capable de surpasser le côté un peu ridicule peut-être qu'on peut craindre et qui n'existe pas vraiment. À parler comme ça de choses qui n'existent pas, quoi. Est-ce qu'il y a un jeu auquel tu as joué un nombre d'heures inavouable? Un jeu vraiment qui t'a profondément marqué? Oui, il y en a quelques-uns. Je pense que le jeu auquel j'ai le plus joué quand j'étais ado, c'était sans doute Bushido, un jeu sur le Japon médiéval, une version du Japon médiéval. Qui est le jeu auquel enfin, j'arrêtais pas d'y jouer dans le club dans lequel j'étais. Après, je vais dire des choses comme l'appel de Cthulhu, mais ça a marqué juste tout le monde, l'appel de Cthulhu. Et tout ce qui était les jeux type Stormbringer, Elric aussi. Et ce sont même pas mes jeux préférés en plus, ce sont juste des jeux auxquels j'ai joué, rejoué, re-rejoué, re-re-rejoué, etc. Alors, la question, généralement, soit les gens répondent très très vite ou alors c'est très compliqué. Si on ne pouvait jouer plus qu'à un seul jeu de rôle et qu'on ne pouvait plus en inventer aucun autre, lequel ce serait? Je pense que pour moi, ce serait Monster Hunter. Et l'autre question très très facile, pour toi, quelle est la seule et unique meilleure chose à propos du jeu de rôle? Eh bien, c'est une question simple. Pour moi, le jeu de rôle, il y a un truc qui est vraiment génial, c'est le côté reprise de pouvoir sur l'imaginaire, sur les légendes, sur les mythes. C'est un truc dont je parle souvent à propos de Star Wars, par exemple. Si les films vous plaisent pas, eh bien vous n'en avez rien à faire parce que vous jouez à Star Wars dans votre salon. Et Disney ne peut pas tester avec vous, en fait. Personne. Et vous faites ce que vous voulez, ce que vos potes, enfin ce dont vos potes ont envie aussi. Hein, et il n'y a pas de. Personne n'a rien à vous dire, en fait. Ces histoires, elles appartiennent qu'à vous. Je pense qu'on pouvait difficilement dire mieux. Donc, comme premier, on va parler quand même de Lapin Marteau. Donc, pour moi, Lapin Marteau, c'est un site web à la base qui
il y a une quinzaine d'années, mais c'est peut-être pas du tout ça, je suis peut-être à côté de la plaque. Donc ben, comment a commencé l'aventure Lapin-Marteau? Qu'est-ce que, pourquoi, comment? Le site dont tu parles, c'est un site qui s'appelait Tarte aux Fraises, qui était en gros un blog où je marquais des divagations, on va dire, sur le jeu de rôle de façon générale. Parce que on restait souvent avec mes potes à la fin des parties à refaire le monde, à refaire le jeu de rôle pendant des heures. Et puis au bout d'un moment, on s'est aperçu que d'une fois sur l'autre, selon l'état de fatigue, selon ce qu'on avait ingéré pendant les parties, bah, nos avis changeaient des fois du tout au tout, en fait. Et d'une séance sur l'autre. Et ce blog, en fait, avait. Le but, c'était de s'apercevoir que quand je changeais d'avis, et me forcer, en fait, à pas repartir à zéro et tirer une opinion aléatoire, en fait. Et me mettre face à mes contradictions éventuellement. Puis, mais Lapin Marteau, c'est pas. Je sais pas comment dire ça. C'est pas l'émanation de ce blog, juste j'ai rapatrié beaucoup de choses qu'il y avait sur le blog, sur le site de Lapin Marteau. Lapin Marteau, ça a été en fait à un moment le désir de. Moi j'étais à un changement de carrière professionnelle et le désir de se dire ben, le jeu de rôle c'est le truc que j'aime faire. J'ai eu la chance d'avoir des boulots très valorisants par le passé, mais ça me plaît moins que d'écrire mes bouts de scénario à 3h du matin, quoi. Et donc, essayons de faire ça, ça marchera pas, on verra. C'est possible. Tentons le coup, et puis essayons de venir les jeux dont on parle avec souvent avec d'autres potes auteurs, en fait, ou des jeux un peu des choses dont on a l'impression qu'on aimerait les trouver en boutique, ou enfin peu importe l'endroit, mais qu'on aimerait trouver, et comment est-ce qu'on peut faire pour que ces choses-là arrivent. Et c'est pour ça qu'on a fait donc Utama, qui au départ est un jeu japonais alors, dont on pouvait avoir entendu parler, mais qui était quand même pas très connu chez nous, pour dire ben, qu'est-ce que les auteurs français peuvent faire en étant en contact avec ce jeu, les auteurs et les rôlistes, bien sûr. Même s'ils ne jouent pas ce jeu, à la limite, le simple fait qu'il soit disponible, ça va changer des choses. Il y a d'autres jeux qui vont s'en inspirer, donc voyons ce que ça donne. Pareil pour les recueils de conseils. Et puis pour Château Falkenstein, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment faisons redécouvrir ce jeu dont on est fan, quoi, tout simplement. Donc vous avez actuellement trois grosses gammes, hein, bientôt quatre, je suppose. Donc, vous êtes peut-être probablement connu pour ceux qui n'associeraient pas Lapin Marteau à quelque chose avec la gamme Sortir de l'auberge. Et donc ces ouvrages menaient des parties de jeux de rôle suivies de parties de jeux de rôle et la boîte à outils du meneur de jeu, si je ne m'abuse. Et il me semble aussi que vous avez fait une compilation à un moment, Sortir de l'auberge, avec un recueil des trois. Est-ce que vous avez sorti cette série suite à ces discussions, à tous ces billets de rôlistes parce que c'est vrai que c'est quelque chose... que finalement on ne trouvait pas du tout sur le commerce. Et je pense qu'à l'heure actuelle, maintenant c'est assez présent, on le voit sur la scène YouTube, qu'il y a beaucoup de monde qui cherche des informations sur comment maîtriser plus facilement, comment jouer de façon un peu plus RP, etc. Donc, quelle était vraiment votre volonté à ce moment de sortir cette gamme, de sortir de l'auberge? Alors, l'idée c'est que nous, on est, tant qu'oraliquement, on est... on va dire passionné par ce qui est théorie rôliste, mais au sens large, en fait. C'est-à-dire, c'est pas seulement le côté article de recherche, etc., mais même à partir du moment où on commence à discuter à plusieurs de ce qu'on fait en jeu de rôle, de comment on le fait, etc., il commence à avoir une discussion qui est intéressante. On va échanger, on va commencer à échanger, il y a moyen d'apprendre des trucs, en fait. Aujourd'hui, on est une époque où, alors je suis désolé, hein, je vais vraiment faire mon vieux con pour le coup, mais je me souviens d'une époque où on était embêté parce que, par exemple, si on voulait faire un jeu Space Opera, on n'avait pas des masses le choix. Et il y avait des domaines dans lesquels on voulait jouer et il n'y avait pas de jeu qui correspondait. On ne trouvait pas. Ce qu'on trouvait à la limite, c'était un supplément de GURPS inconnu qu'on faisait venir des États-Unis ou des choses comme ça, mais les grands domaines étaient très balisés, les grands genres,
Mais il y en avait plein qui ne l'étaient pas. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui est complètement opposée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend à peu près n'importe quel genre, on va se retrouver avec une demi-douzaine de jeux. Et la question, c'est plus forcément de trouver quel jeu utiliser, mais ça va être quelque part de les redécouvrir, de se dire quelles compétences je peux développer qui vont me servir sur l'ensemble de mes jeux. Il y a des choses à partager, à échanger sur les pratiques, sur j'en parlais avec un ami récemment, par exemple, sur si vous jouez avec plusieurs tables, il y a des choses que vous pouvez faire à certaines tables et pas à d'autres. Je parle pas de choses comme il y a une table avec des enfants, donc vous n'allez pas dans le gore. Je ne suis pas du tout dans ce registre-là, mais des simples techniques, en fait. Il y a des tables où vous pouvez partager un peu plus la narration, et puis d'autres où les joueurs apprécient vraiment pas. Il y a des tables où vous pouvez faire un flashback, ou plutôt un flash forward, ouais, et d'autres où ça va complètement les perturber. Et ces choses-là ne sont pas évidentes, en fait, et on trouvait vachement intéressant d'avoir des éléments là-dessus. On se disait aussi que qu'on avait fait un paquet de parties pourries dans le passé, hein, et que si on pouvait échanger des billes pour pas les refaire, ou en faire moins, ou gagner du temps, en fait, ce serait génial, quoi. Dans la même gamme, il y a aussi sorti Jouer avec l'histoire, qui est actuellement plus disponible. Est-ce qu'il reviendra un jour? Est-ce que malheureusement, il n'y en aura plus jamais? Jouer avec l'histoire, en fait, on le commercialise, mais ça a été fait par une maison d'édition qui s'appelle Pinkerton Press, qui a cessé d'exister. Il se trouve qu'il existe, il existe encore quelques stocks, mais en gros, on a eu accès au stock de Pinkerton Press, enfin une partie. On espère mais qu'on nous donne accès au reste et pouvoir les mettre à disposition aussi. Par contre, on n'a pas la possibilité de le republier tel quel. Est-ce que, outre Ryutama et Château Falkenstein, il y a d'autres jeux qui, à l'heure actuelle, ne sont pas édités en français ou ne sont plus édités, et sans forcément que le projet ne soit bien avancé, vous aimeriez avoir la possibilité de les éditer, de les faire découvrir au public français. Des tonnes. Mais le souci, c'est qu'on est une toute petite maison d'édition. On a déjà eu par le passé des problèmes et des choses qu'on annonçait qu'on n'a pas concrétisées. Donc du coup, maintenant, on est vachement plus sur la réserve. On essaye d'arrêter de se tirer des balles dans le pied, en fait. On n'y arrive pas toujours, pour être honnête. C'est un peu compliqué. Mais oui, en fait, voilà, on évite maintenant de trop en parler parce que en fait, ça crée une attente. Et on s'est aperçu, par exemple, que sur certains jeux, Falkenstein, on a parlé très très tard, notamment pour ça. D'une part pour s'assurer nous d'être capable de faire un suivi sur la durée, parce que c'était un défi pour nous, et d'autre part parce qu'on savait qu'à partir du moment où on allait en parler, on allait recevoir tellement de messages que ça allait être difficile de pouvoir bosser sur le jeu en lui-même, en fait. Et c'est pour ça qu'on a attendu qu'il soit fini pour en parler, quoi. Et donc on va parler de la gamme Partir à l'aventure, parce que moi, c'est une gamme aussi qui me plaît beaucoup. Donc, c'est une gamme qui est exclusivement web, qui est dispo qu'en PDF. On retrouve pas mal de choses de chez la boîte à eux, donc qui est une maison d'édition qui n'est malheureusement plus avec nous. On en parle assez régulièrement sur ma chaîne et celle du jeu de rôle pour les nuls. Et donc, ben déjà, est-ce que vous avez d'autres choses dans la gamme Partir à l'aventure en stock? Est-ce qu'il y a d'autres anciens projets de la boîte à eux que vous avez peut-être récupéré? Je pense notamment à Poltergeist, qui était... Je sais qu'il y a une petite demande de ce côté-là. Et aussi, pourquoi ce format exclusivement en PDF? Parce que je pense notamment à des jeux comme Sweet Agatha, qui auraient peut-être été un peu plus pratiques en version papier, vu qu'il y a beaucoup de découpes à faire, etc. Alors, pour la reprise des jeux de la boîte à eux, en fait,
On pense que Ludovic, enfin eux, pour le coup, pardon, a fait un boulot formidable en fait en donnant la possibilité d'obtenir ces jeux à une époque où en fait ça passait pour des trucs d'aliens, quoi. Et on trouvait alors et il est parti vers je veux dire d'autres horizons ludiques avec grand succès, je crois. Et on trouvait dommage que ces jeux ne soient plus disponibles. Donc on a essayé de les rendre disponibles. Par contre, nous, on était dans nos propres projets, on n'avait pas le temps, a priori, de refaire un travail d'édition à part entière sur ces jeux-là. Et du coup, on s'est limité, je crois, quasiment à les ressortir tels quels, enfin, deux, trois détails près. Et on s'est limité à du PDF pour des simples raisons de rentabilité, en fait. C'est-à-dire que nous, on veut que les jeux soient dispo, par contre, on n'est pas prêt à... si on lance une impression classique, on va dire, sur ces jeux-là, on va y laisser beaucoup plus. Ce sont des jeux qui sont beaucoup moins porteurs que, on va dire, des jeux plus connus. Ce sont des jeux qui, en plus, ont déjà eu une vie, je veux dire, commerciale, en fait. Y a plus de rôlistes aujourd'hui. Il y a, on va dire, des rôlistes qui sont plus sensibles, je pense, et plus nombreux à être plus sensibles à ce genre de jeu un peu alternatif. Pour moi, c'est une certitude. Par contre, je crois pas qu'il y en ait assez pour que, en gros, pour qu'on se retrouve pas à perdre de l'argent en rendant ces jeux disponibles au format papier. On ferme pas la porte. Par exemple, il y a des choses qui sont peut-être possibles en termes de... je sais pas, moi j'ai des vieux fantasmes depuis que j'ai commencé la Pas Marteau de compilation de certains jeux, de certains genres donnés, en fait. Mais c'est un tel bric-à-bras, enfin, méli-mélo en termes de droits, de choses comme ça, que je suis pas sûr que ce sera faisable un jour, en tout cas. Donc pour l'instant, nous, on se concentre... On essaye de faire que ces jeux soient disponibles si des gens les cherchent. Mais c'est vrai qu'on les pousse pas plus que ça pour l'instant. D'ailleurs, si vous nous suivez, il y a quasiment la moitié de ces jeux qui sont disponibles gratuitement sur le site de Lapin Marteau directement. Donc c'est vrai qu'ils sont commercialisés, mais ils sont plutôt mis à disposition. Hein, comme tu... Alors, oui, il y a même... pour être tout à fait honnête, il y a même certains jeux commercialisés où on est en train de discuter avec leurs auteurs pour les mettre à dispo gratuitement aussi. Mais savoir, c'est des jeux, par exemple, qu'on a fait le crowdfunding pour sortir de l'auberge, on avait donné, je crois, 500 exemplaires de ces jeux-là, en fait, juste pour que les gens les découvrent. Enfin, et puis parce que, nous, bien sûr, ça faisait un argument de plus pour souscrire à sortir de l'auberge, hein, c'est évident, mais... ça nous faisait plaisir de montrer ces jeux, en fait, parce qu'on pensait qu'il y avait des choses à apprendre à jouer à ces jeux-là. Après, comme tu disais, tu es toi-même auteur, est-ce que y aurait un de tes jeux qui pourrait finir dans une gamme Partir à l'aventure ? Alors, l'essentiel de... Alors, c'est compliqué. L'essentiel de mes jeux qui sont déjà publiés sont chez d'autres éditeurs. Et appartiennent à d'autres éditeurs. Donc on ne peut pas les sortir chez nous. Pour certains de ces jeux-là, leurs éditeurs ont accepté de me restituer les droits. Donc ça, c'est à voir, on y réfléchit. On essaye vraiment d'avancer un pas après l'autre, quoi. De ne pas s'enflammer, de faire ça tranquille. Enfin, ouais, de pas s'enflammer, je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Et après, sur mon disque dur, j'ai des tonnes de petits jeux qui, à chaque fois, il faudrait, j'ai l'impression, prendre une semaine pour le finir. Mais dans les faits, cette semaine-là, je l'ai jamais prise depuis très longtemps. Et les petits jeux pas vraiment finis s'accumulent. C'est vrai qu'un jour, ça vaudrait le coup presque de prendre un mois et de se dire... Ok, j'en finis un certain nombre et je les mets à dispo. Ça fait des années que je le dis, c'est toujours pas arrivé, à mon avis ça va pas se produire de suite. Donc, votre troisième gamme, c'est Ryutama, hein, tu nous en as déjà un peu parlé. Moi, la première question qui me vient, c'est
Pourquoi Ryutama spécifiquement, étant donné que ça reste un jeu de rôle fantastique, assez, enfin dans un univers entre guillemets classique, même si c'est vrai qu'il a un ton qui est bien à lui, oui, qui est extrêmement feel good. Donc pourquoi spécifiquement Ryutama comme jeu japonais et pas un autre jeu japonais? Alors, j'aimerais prétendre que c'est un truc hyper réfléchi, calculé par la NASA. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a pu avoir des contacts un peu plus facilement avec cet auteur-là. Et en fait, ça fait des années, moi, que le jeu m'avait tapé dans l'œil parce que déjà parce qu'on en avait parlé et parce que je connaissais en fait les personnes qui ont fait l'édition américaine. On avait déjà traduit une partie et on avait joué. Non, pardon, à cette époque-là, on n'avait pas joué ensemble. C'est plutôt arrivé sur Shinobi Gami, mais on a. Faut imaginer qu'il y a 20 ans, on était trois rôlistes occidentaux à s'intéresser au jeu de rôle japonais et que on se refilait des infos par Internet pour trouver les endroits où étaient les boutiques dans Tokyo, en fait. Et que donc ça s'est fait comme ça, un peu par chance. On a eu des contacts donc avec la future équipe américaine, des contacts avec l'auteur japonais. Les droits ont été bloqués pendant longtemps. À un moment, ils sont débloqués. Quand ils sont débloqués, ça a été OK, en fond, on le fait, quoi. On réfléchira plus tard. Et effectivement, on a réfléchi plus tard. Mais... Donc voilà, c'est pas un truc super réfléchi. On est très content de l'avoir fait, on pense qu'il a tout à fait sa place, etc. Mais par exemple, on va pas dire que c'est ni le jeu le plus représentatif de l'histoire des jeux japonais, ni le meilleur jeu, ni quoi que ce soit. On a eu l'occasion à un moment, on l'a fait. Et donc maintenant vous allez attaquer votre quatrième gamme, Château Falkenstein. Donc je tiens déjà à signaler à ceux qui nous regardent qu'en courant professionnel, on n'a bien évidemment pas du tout lu la nouvelle édition pour préparer cette interview, mais pour une fois, on a une excuse, on l'avait pas. Donc déjà, est-ce que vous attendiez un tel engouement sur le jeu? Le Game on Tabletop s'est envolé. Est-ce que Alors, vous y attendiez, tout simplement? non, Ou mais espériez à des... très clairement, chez Lapin Marteau, on n'est pas. Comment dire? On pêche rarement par optimisme, on va le dire comme ça. Oui, on est plutôt deux rôlistes qui s'habillent en noir tout le temps, qui tirent la tronche. Et voilà, l'optimisme, c'est pas notre truc de base, quoi. Non, en fait, on imaginait que ça allait être moindre, mais on est bien sûr très content. Nous, on est persuadé des qualités du jeu, hein, ça fait aucun doute, mais oui, on était plein de doutes sur d'autres sujets, sur est-ce que les gens allaient être intéressés, est-ce que les gens allaient. Alors, se souvenir, je parle collectivement, il y a plein de gens qui se souviennent de Castle Falkenstein, mais il y a aussi plein de gens qui ne s'intéressaient pas du tout au jeu de rôle quand il est sorti. Et à qui ça n'allait pas forcément parler. Après, il y avait des signes qui étaient plutôt positifs. On avait des gens qui s'étaient manifestés pas mal. C'était un jeu qui était très cher sur le d'occasion. Ça semblait vouloir dire qu'il y avait une demande. Après, on ne savait pas si cette demande elle allait justifier, j'allais dire, une ressortie et faire que cette ressortie soit viable. Mais c'était plutôt des signes positifs. Et après, oui, voilà, on savait pas, on est juste extrêmement content et rassuré parce que en fait, encore une fois, on est tout petit. Et là, c'est pour nous, c'est sortir le livre de base, l'écran et trois suppléments. Donc en termes d'investissement, alors financier, bien sûr, mais pas que financier. C'était un risque énorme pour nous. Et donc, on dort beaucoup mieux maintenant. Même si ça ne se voit pas forcément à ma tête, mais. 100% atteint en 15 minutes, 200% en une demi-heure. Alors, très sincèrement, les pourcentages. Alors, ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, hein, mais nous, on n'a jamais même regardé. Dans le sens où on savait qu'on voulait le ressortir. On savait qu'on voulait le ressortir sous cette forme. On n'avait pas prévu de mettre des paliers. Donc, il fallait qu'on mette une somme, mais quelque part, on aurait eu 2 000 euros, on aurait eu 20 000 euros, on aurait sorti le jeu quand même.
juste avec beaucoup moins d'inquiétude, hein, cette certitude, mais donc on a mis les 100% correspondent à 10 000 euros. Sincèrement, on a mis 10 000 euros parce que pas mal de projets qui avaient l'air analogues avaient mis 10 000 euros. Et on n'a pas trop fait gaffe au pourcentage comme ça. Tout simplement parce que pour nous, c'était sur ce projet-là, un peu, ça ne correspondait pas à une réalité concrète. Quoi. Alors avant de poser une question, c'est juste une petite remarque concernant l'idée que pouvaient avoir les vieux rôlistes de ce genre. En général, quand j'en parlais avec les jeunes rôlistes, non, ils n'en avaient pas entendu parler, et avec les vieux rôlistes, en général, ils en avaient entendu parler, ils connaissaient le nom, mais ils ne savaient pas de quoi le jeu parlait, ou à peine. Du coup, est-ce que dans ton entourage, est-ce que les gens étaient un peu plus au fait de l'existence du jeu et des grandes lignes, ou est-ce que toi aussi, tu as constaté que beaucoup de gens connaissaient en fait quasiment pas le jeu? Bah disons qu'à force qu'on les emmerde avec, oui, ils étaient au courant que le jeu existait, quoi, il n'y avait pas de problème. Mais je parle de mon entourage. Hein. Après, ce qu'on a pas mal constaté, c'est des gens qui pensaient que. Qui voyaient le jeu, en fait, comme un jeu générique steampunk. Et en fait, il y a tous les aimants, on va dire, classiques du steampunk, il n'y a aucun problème. Mais c'est un jeu qui est tout sauf générique, en fait. Et quand on y joue, c'est quelque chose qu'on se prend de suite dans la figure, ne serait-ce que par la façon dont il est raconté, donc avec un narrateur qui présente... Enfin, l'univers est présenté sous les yeux d'un narrateur. Tous les personnages, tout ce qui se passe devient très vite personnalisé. Et on a l'impression, quand on lit ce jeu, qu'il se passe quelque chose là maintenant de suite, en fait. Qu'on va pas juste jouer des aventures random steampunk, ce qui peut être très bien, il n'y a pas de problème non plus, mais que là, je sais pas comment dire ça, mais si on tourne les yeux pendant 2 mois, peut-être que la Prusse va avoir envahi la France, en fait. Il se passe des trucs. Je sais pas, je manque de points de comparaison pour l'expliquer mieux, mais il y a un côté... ce qu'on a dit dans une autre interview, en fait, c'est que on peut s'intéresser à ce jeu, et c'est arrivé pas mal de fois par le passé, parce qu'on a l'impression que c'est un jeu steampunk quelconque, mais on reste parce que c'est pas un jeu steampunk quelconque, en fait. On reste parce que c'est Château Falkenstein. Et on peut vraiment prendre l'une approche ou l'autre, mais ce qui nous... Enfin, des témoignages qu'on avait, ce qui ressortait, c'était vraiment ça, en fait. Dans une interview, vous avez dit que on venait à Château Falkenstein parce que c'était un jeu steampunk, et on restait à Château Falkenstein parce que c'était Château Falkenstein. C'est exactement ça. Il y a beaucoup d'éléments de fantasy classique qui sont dans Château Falkenstein, c'est pour ça qu'on parle souvent de steampunk fantasy. Mais par exemple, dans cet univers, tout est expliqué, enfin, tout se tient, l'exemple qu'on prend souvent, c'est l'existence des dragons, en fait. Donc dans ce jeu, ce sont des pour le dire simplement de façon un peu caricaturale, des dinosaures qui ont été capables de servir de la magie pour survivre, en fait, à l'extinction de tout le reste, et qui ont continué à évoluer jusqu'à devenir les dragons. Donc ces dragons là les dragons de Falkenstein ont une apparence un peu différente des dragons de fantasy classique. Mais leur existence, en fait, il se passe plein de choses à cause de ça. De la même façon, les nains ont des aptitudes au métal, mais ce sont des fées, la plupart des fées sont blessées, enfin gênées ou blessées par le métal. Mais l'histoire de cette résistance des nains si particulière, elle existe, elle est expliquée dans le jeu, et ça peut être un moteur à plein de scénarios, en fait. Et ça va être ça pour plein de choses, ça va être ça pour le système, alors... c'est quelque chose dont on parle souvent, c'est un jeu de cartes, et c'est expliqué dans le jeu pourquoi c'est un jeu de cartes, parce que le jeu est censé avoir été inventé dans l'univers du jeu par ce fameux narrateur, et qui s'est retrouvé en fait dans les cours des nobles, des rois d'Europe, et quand même il a commencé à expliquer qu'on allait jouer au dé, les gens ont commencé à tomber dans les pommes, à crier, etc.
Parce que les dés, c'est quelque chose qui est fait, qui est pour les, on va dire pour les gredins, en fait, pour les gens de petite vie. Et donc, il fallait que ce soit un jeu avec des cartes. Et en fait, Falkenstein fait ça un peu pour tout. C'est-à-dire que quasiment tout, il y a une anecdote ou quelque chose que ce soit des éléments de fantasy, que ce soit des éléments de règles, qui l'intègre en fait à cet univers et ça le rend beaucoup plus, je sais pas comment dire, beaucoup plus vivant en fait. On a l'impression, alors j'allais dire crédible, mais on n'est clairement pas dans un univers réaliste, hein, mais tout fait sens en fait. Je sais pas si c'est aussi ton avis, Philou. Oui, effectivement, c'est il y a un assez grand brassage de différentes thématiques et de différents éléments de la culture de l'imaginaire, donc que ce soit à travers la magie, à travers la science, à travers le récit d'espionnage, et tout est entremêlé dans un univers qui fait remarquablement sens, qui arrive remarquablement bien à explorer ces différentes facettes. Alors je t'interromps un instant, parce qu'on nous demande dans le chat, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le fonctionnement du jeu, donc la mécanique, étant donné que c'est avec des cartes et c'est un petit peu original et il n'y a pas beaucoup d'autres jeux qui utilisent les systèmes de cartes. D'accord, pour l'expliquer brièvement, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer quand même. Les personnages sont définis par toute une série de compétences qui dans ce jeu s'appellent des talents. Par exemple, escrime, bricolage, athlétisme, des choses comme ça. Enfin, ça, on le retrouve dans pas mal d'autres jeux. Ces talents sont associés à une des quatre couleurs des jeux de cartes. Donc, cœur, carreau, trèfle et pique. Quand on va dire un personnage fait une action, si le MJ souhaite pas y mettre de difficultés particulières ou que le niveau de réussite n'est pas très important, en fait, on va se contenter de regarder le niveau et puis peut-être que ça suffit pour accomplir l'action en question. Si vous êtes, je sais pas, alors les niveaux sont donnés avec des adjectifs. Si vous êtes, je sais pas, prodigieux en bricolage, vous avez peut-être pas besoin de faire un test pour regarder si vous ouvrez une serrure quelconque. C'est ce genre de choses. Par contre, il y a des moments où ça va être important. Typiquement, quand on va s'opposer à quelqu'un. Ou quand, ce qui arrive souvent dans le jeu aussi, quand on veut en imposer. C'est-à-dire que c'est pas forcément important d'arriver, je sais pas, à courir le 100 mètres, on va y arriver. Ce qui est important, c'est d'y arriver plus vite que le pote d'à côté, en fait. Que le pote en question soit un PNJ avec qui on est en guerre, ou que ce soit... justement un PJ parce qu'il y a des trucs à régler, quoi, ça arrive aussi. On va s'intéresser en fait à la qualité de la réussite et tout ça. Dans ce cas-là, on a une main de 4 cartes et on va rajouter des cartes. Ces cartes ont deux valeurs possibles. Soit elles sont de la même couleur que le talent. Par exemple, je sais pas, pour tout ce qui est des talents mentaux, ça va être le carreau. Auquel cas on rajoute la valeur de la carte, qui va donc de 2 à 10 pour les cartes classiques, et ensuite 11 pour le valet, 12 pour la dame, etc. Soit la carte n'est pas la bonne couleur et elle vaut 1 point. On joue autant de cartes qu'on veut parmi les 4 qu'on a en main. Et on refait sa main après, etc. Donc ça, c'est la base. C'est extrêmement simple. On va regarder après des trucs pour voir si on réussit de justesse, si on réussit avec éclat, ce genre de choses. Mais la base, c'est on a un talent, on va rajouter une valeur qui dépend de la carte, et on essaye d'avoir le plus possible. Après, des petits systèmes qui sont proposés, qui peuvent être utilisés ou pas pour le duel, par exemple, des choses comme ça. Il y a des règles aussi sur la thaumaturgie, c'est une thaumaturgie un peu spéciale en fait, qui fonctionne surtout, donc la thaumaturgie, pardon, c'est la magie dans ce jeu, et cela fonctionne surtout avec la capacité des mages à faire venir, à pomper de l'énergie en fait, qu'on appelle du pouvoir, dans leur environnement. Et ils peuvent le faire qu'à une vitesse limitée en fait, et les sorts demandent souvent beaucoup de cette énergie. Et l'enjeu pour un mage, ça va pas forcément être est-ce que j'ai assez de points de magie
qu'on va trouver dans certains types de jeux, ça va pas être est-ce que j'ai mémorisé assez de fois le sort. Ça va être est-ce que j'arrive à pomper cette énergie dans l'environnement assez vite pour que si c'est un combat, pour le combat soit pas fini au moment où je lance mon sort, par exemple. C'est une logique assez différente, mais qui fait souvent des scènes assez, je sais pas comment dire, tendues, mais dans le bon sens du terme, quoi, avec pas mal de suspense, parce que, je sais pas, si à un moment on décide de faire disparaître le pont qui est sous l'armée ennemie, oui, on peut faire des sorts très puissants, il vaut mieux que ce soit avant qu'elle ait traversé. C'est ce genre de choses, quoi. Alors, à propos du système, parmi les suppléments que Lapin Marteau va rendre accessibles, il y a variations sur le grand jeu qui propose des variantes des règles. Est-ce que parmi ces variantes, il y en a une ou plusieurs que tu préconises particulièrement ou que tu utilises dans tes propres parties? Alors, il y en a une que j'utilise et que je préconise. Il y en a une que je préconise, mais que j'utilise pas, parce qu'il faut pas faire ce que je dis, pas ce que je fais. Celle que je préconise et que j'utilise, c'est en fait... je vous ai parlé des règles de thaumaturgie. Dans les règles de thaumaturgie, il y a une subtilité qu'on appelle les harmoniques. Concrètement, quand on essaye de pomper plein de pouvoirs dans l'environnement pour jeter un sort, on va pomper du pouvoir qui correspond au type de sort qu'on veut jeter. Et si on jouait à Magic, de la mana de la bonne couleur, mais on peut aussi choper de la mana d'une couleur différente. Et si on jette le sort avec un petit peu de la mana d'une couleur différente, ça va influencer le sort qu'on jette. Par exemple, je vais prendre des sorts qui ne sont pas forcément représentatifs du jeu, mais qui sont très simples à comprendre pour tout le monde. Je veux créer une boule de feu ou un feu de forêt ou quelque chose comme ça. Je vais utiliser de la magie du pouvoir élémentaire. Admettons que j'utilise un peu de pouvoir, un type de pouvoir qu'on va appeler spirituel, donc lié au monde des esprits, dans ce sort-là. Par exemple, la façon dont le sort va être modifié, c'est que le feu en question va avoir un esprit et qu'on va créer en gros un élémentaire. Il faudra plus ou moins le gérer, ce genre de choses. Ça va créer des rebondissements assez sympathiques. Dans Variations sur le grand jeu, il y a quelque chose d'à peu près pareil, mais pour la plupart des talents classiques. Et donc, ça va permettre de créer des rebondissements et des complications en permanence, en fait, si on le souhaite, en fonction des autres couleurs qu'on a utilisées. Je vous disais tout à l'heure que le carreau correspondait au talent intellectuel. Eh ben, peut-être que quand vous servez, d'escrime pour vous battre, donc a priori pas avec du carreau, vous allez vous servir des cartes de carreau pour ajouter un plus 1 au lieu d'ajouter la valeur totale de la carte, comme je vous expliquais tout à l'heure, et que il va y avoir une complication d'ordre intellectuel sur votre personnage. Ça peut être par exemple qu'il est obsédé par un détail, ou qu'il a du mal à se concentrer, ou qu'il comprend pas trop ce qu'essaye de faire l'adversaire. Peu importe. C'est le procédé général de cette variante. Alors, pareil, hein, je suis pas sûr de l'avoir très bien expliqué, mais voilà, l'idée c'est que ça crée des complications, et que la couleur de la complication, enfin le type de complication, va dépendre des cartes utilisées. Une autre variante que j'aime beaucoup, mais que j'utilise pas parce que je suis une feignasse, c'est une variante sur l'expérience. En fait, c'est un système alternatif d'expérience qui consiste à dire votre personnage va prendre des résolutions. Un exemple, c'est je vais traduire le meurtrier de mon frère devant les tribunaux. De décomposer ça en plusieurs... techniquement, on appelle ça des accomplissements. Ça va être, par exemple, je vais d'abord... on va découper ça en 5 accomplissements. Pour le traduire devant les tribunaux, je vais peut-être d'abord devoir trouver, avoir accès au rapport de police. Ensuite, faire ma propre enquête. Trouver un lien vers le vrai meurtrier et puis l'attraper. Ça fait pas 5, mais bon, on a vidé. Et à chaque fois qu'on va faire ça dans le jeu, en fait, on va gagner des points qu'on pourra dépenser pour acheter des augmentations. Et au fur et à mesure, on les raye, on peut en acquérir de nouveau, enfin la situation peut bouger. Alors, moi je m'en sers pas parce que en fait, je fais très peu
augmenter les personnages de mon groupe quand on joue. Tout simplement parce qu'on ne ressent pas le besoin, en fait. Ce sont des persos qui sont déjà suffisamment balèzes. Et où surtout, la plupart des choses qui se jouent, enfin, il se passe tout le temps quelque chose, en fait. Et donc, on n'a pas tellement le temps de s'apercevoir qu'il y a des compétences qu'on pourrait augmenter, pour le dire simplement. Donc, ça, c'est un supplément qui est sorti aux États-Unis récemment, il me semble. Variation sur le grand jeu. Alors, il est sorti en... Je crois que la première version est sortie en 2018. Elle a été chez un éditeur qui s'appelait Fat Goblin Games. Elle a été reprise par Talsorian Games, donc l'éditeur historique de Cyberpunk et de Shadow of Einstein. Et il y a eu des modifications qui ont été faites. Il y a eu des ajouts, par exemple, des règles sur les automates. Donc les automates comprennent les golems, les créatures de Frankenstein, enfin de façon très large, quoi. Et nous, on a repris ça, on a aussi fait quelques suggestions, quelques corrections, mais en gros, ça va être ce supplément-là. Vous proposez également le supplément Carabine et Margarine, donc qui est un gros scénario ou une campagne, je ne suis pas exactement sûr. C'est un scénario. Parce que c'est un scénario qui fait quand même 80 pages. Donc alors soit il est très très bien documenté, soit il est assez velu. Alors, c'est un... On peut dire les deux, c'est possible de dire les deux. C'est une mini-campagne, je pense. En fait, c'est un scénario, pour le coup, non, enfin vraiment, il va pas jusqu'à la campagne, hein. C'est l'histoire d'un meurtre, en fait. Et c'est un meurtre dans un contexte bien particulier, qui est un contexte de manifestation, voire éventuellement d'émeute, mais qui sont menées en fait par des personnes très spéciales qui sont en fait des fées. Et ce sont ces manifestations-là, en gros, ont lieu parce que y a une usine à margarine qui se crée. Donc oui, ça nous fait rire aujourd'hui, mais à l'époque c'est une nouveauté. Et les installations laitières autour de Paris craignent très très fort que tout passe par des achats aux Pays-Bas. Enfin, on va pas rentrer dans tout ça, c'est un peu complexe pour là, mais l'idée c'est qu'il y a un mouvement social qui touche essentiellement en fait des faits. Et puis il va se passer plein de choses parce que c'est des faits, parce que c'est Frankenstein, parce que c'est un meurtre, on va essayer de trouver ça. Le scénario, le lien avec la campagne, en fait, il vient, à mon avis, de l'endroit où se passe le scénario, et du fait que c'est comment on va explorer plein de pistes potentiellement, ben on peut très facilement enchérir dessus derrière. Et mettre d'autres scénarios, soit des scénarios amateurs qui sont parus pour le jeu. Soit des scénarios qui paraîtront d'ici là. Et ça nous paraissait construire une bonne base de campagne. Par contre, c'est pas une campagne en tant que telle. Et sur la documentation, il y a des choses qui sont toutes bêtes, hein, mais qui nous ont beaucoup plu sur le fait de... En fait, il y a des listes à cocher pour les indices. On trouve à chaque scène, par exemple, des choses comme ça qui permet de pas être perdu quand on le fait jouer. Et voilà, après je sais pas si vous avez des questions plus particulières sur ce scénario. Ben, pourquoi celui-ci en particulier? Il y a cet aspect de permettre de débuter une campagne. Il permet de relier en fait le principal angle avec le principal angle du jeu qui est une société secrète qui s'appelle le Second Pacte et qui est. Qui propose de enfin c'est ce qui est décrit par le narrateur du jeu en fait, c'est les aventures du narrateur du jeu en gros, et ça donne au jeu une saveur très James Bond victorien, quoi, on va dire comme ça. Ce scénario permet de créer des liens vers ça en fait, donc ça nous intéressait. Il y avait le côté on voulait pas que les... Donc c'est un jeu qui est écrit comme un livre univers. Comme un jeu univers, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Il y a un scénario déjà dedans, qui est assez court, hein, c'est un scénario d'introduction. Il y a des synopsis. Mais malgré tout ça, on avait des retours des fois de gens qui nous disaient, il y a cet univers, on ne sait pas trop comment faire. Donc on s'est dit,
On va publier avec le jeu un scénario qui détaille un peu plus tout ça, qui permet, qui facilite la prise en main. Et entre ça et variation sur le grand jeu, en gros, à la sortie de Château Falkenstein, quel que soit vos... je sais pas comment dire... Si vous avez des difficultés avec le jeu, bah vous aurez une solution pour y jouer. Il n'y a pas de problème. Si, si vous craignez de ne pas savoir par quel bout le prendre, il y a ce scénario en plus. Alors, moi, je pense que le... Je pense sincèrement que la façon dont on écrit le jeu fait qu'on trouve très facilement un filet de sécurité si on ne sait pas comment le prendre. Et que ce problème est... Ce problème ne se pose pas très longtemps. Mais voilà, si c'est votre cas, il y a un scénario en plus. Et si certaines choses ne vous plaisent pas dans le système, il y a variation sur le grand jeu pour vous permettre de faire exactement ce que vous souhaitez en fait. Et de la même façon, le troisième supplément qui est avec dans la campagne, ça va être Comme il faut, qui est un petit peu le supplément incontournable de la gamme et qui est pourtant le supplément qui n'apporte rien, qui est un peu. Il me semble qu'il y a vraiment un supplément de contexte qui va expliquer un peu toute l'ambiance du jeu, qui va plus qu'autre chose. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus et... Alors, sur le fait qu'il apporte rien, je m'inscris en faux. Mais non, en fait, c'est le guide de la vie dans l'univers de ce jeu-là, en fait. Il est plutôt orienté vers la haute société, mais il apporte aussi des réponses à des questions très pratiques sur, je sais pas, ne serait-ce que les déplacements, enfin, l'organisation de la vie de façon générale, quoi. C'est beaucoup de sujets qui sont abordés dans le livre de base, mais il va plus loin un peu partout. Il propose aussi quelques alternatives, pareil, des suggestions pour les règles, il propose des... moi, quelque chose que j'aime bien, qui est par exemple la notion de région thaumaturgique, ou de région de sort, qui est de dire, puisque les thaumaturges pompent la magie à un endroit, cette magie, elle est forcément limitée. Et donc, si on met plusieurs thaumaturges qui pompent l'énergie à un endroit, qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est des choses comme ça. C'est de très loin le supplément qui est... qu'attendaient tous les anciens fin du jeu, on va dire. Et pour moi, c'est le meilleur supplément de la gamme, enfin, en tout cas de l'ancienne gamme. C'est une telle évidence pour moi qu'en fait, j'arrive pas à l'expliquer, je suis désolé. Non, mais enfin, voilà, c'est pas un scénario où on aura des règles, enfin, c'est pas un livre où il y a des règles, c'est pas un livre où il y a un scénario, mais par contre, c'est vraiment, ça ancre l'univers et ça met pas mal de choses en place, donc c'est un peu un scénario. C'est incontournable, tout simplement, je pense. Une question sur les suppléments. Le supplément que je connaissais de l'ancienne gamme, c'était bien évidemment L'ère de la vapeur, qui est, à ma connaissance, le seul à être sorti en français à l'époque. C'est ça. Et pour je m'attendais donc à ce qu'il figure parmi les suppléments accessibles dès la campagne de souscription. Alors, ce n'est pas le cas et je ne m'en plains pas puisque je l'ai déjà et je pense que une bonne partie des amateurs de Château Falkenstein l'a déjà et c'est sans doute la raison pour laquelle vous n'avez pas jugé utile de l'inclure dès le début de la gamme. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux dire sur ce supplément en particulier et plus généralement, comment a été fait le choix des suppléments accessible dès le début ou en tout cas de l'ordre dans lequel vous allez rendre accessibles ces suppléments. En fait, la raison pour laquelle on n'a pas sorti l'ère de la vapeur en premier, oui, c'était le plus facile à sortir, entre guillemets, mais c'était pas le plus utile pour les joueurs. Pour nous, le plus utile, c'était Comme il faut. Et pour que tout le monde puisse... pour que le jeu soit réellement accessible pour tout le monde, on a sorti, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a prévu variation sur le grand jeu et le scénario, histoire que tout le monde puisse avoir le Falkenstein qu'il a envie, je vais dire. Et ensuite, on attaque la gamme. Comme il faut, on aurait voulu le sortir en même temps dès le lancement du jeu, parce que pour nous, il est indispensable. On peut tout à fait jouer sans. Il y a plein de gens qui ont joué sans pendant 30 ans, donc on ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer sans.
Mais pour moi, c'est le plus indispensable des suppléments d'ancienne gamme. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a voulu le sortir en premier. L'idée, c'est vraiment de le faire redécouvrir, en fait. Comme il faut... Et, pardon, l'air de la vapeur est un supplément qui est intéressant, mais c'est... alors, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, c'est une espèce de catalogue d'inventions de l'époque, et ça présente aussi pas mal des personnes qui font ces inventions-là, en fait. Donc... Ça permet de découvrir pas mal de choses sur même sur l'univers du jeu, en fait, en filigrane. C'est pas un supplément inutile, c'est pas un supplément... moi, je pense que c'est un bon supplément, mais il n'était pas aussi indispensable comme il faut pour nous. Et pour la suite de la gamme, en fait, pour l'instant, on n'a pas décidé de l'ordre. Il y a plusieurs raisons à ça. La principale, c'est que... en fait, ça va dépendre du succès de la gamme. Ça va dépendre de si on a l'autorisation ou pas de faire de la création française. On y travaille, mais ça dépendra... Enfin, Talsorian nous a dit que ça dépendra du succès, quoi. Et tous ces éléments-là, en fait, peuvent venir perturber un éventuel planning. Donc c'est pour ça, pour l'instant, une fois que tout sera... tout ce qui est dans le... La précommande sera sortie. On a encore deux suppléments traduits. Donc, ils sont traduits, mais pas, pas maquettés, pas corrigés, quoi. Ils sont, le traducteur a rendu son travail, j'allais dire, pour des sorties qui se feront l'année prochaine, a priori. Et comme ça, nous, on est sûr de pouvoir gérer, si on met du temps à avoir la réponse, et si jamais il y a des changements qui doivent se produire dans la gamme, je pense notamment à cette articulation parce qu'on en a très très envie, on va pas se mentir, on pourra s'adapter, quoi. Encore une fois, on est sur l'optique, avançons pas à pas, faisons les choses bien et nous enflammons pas, quoi. Du coup, en tant que grand fan de Château Falkenstein, est-ce qu'il y a une chose que tu pourrais dire, pourquoi jouer à Château Falkenstein plutôt qu'un autre que c'est nous qui le publions? C'est une excellente réponse. Non, pour être beaucoup plus sérieux, ça c'est la raison pour laquelle j'ai envie que vous preniez la nouvelle édition. Moi, il y a quelque chose que j'adore vraiment dans Château Falkenstein, mais qui est peut-être dû au fait de beaucoup m'intéresser à l'histoire du jeu de rôle et à lire plein de bouquins probables tout le temps. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il a été fait par l'auteur de Cyberpunk. Et que... plein de gens pas très inspirés, dont moi, avant longtemps accusé le steampunk d'être en gros une esthétique un peu facile, quoi, quelque chose qui avait rien à dire. On va mettre plein de clichés faciles, on les met ensemble et puis ça plaira forcément, quoi. Et en fait, un peu comme un genre d'exploitation. Château Falkenstein fait partie des choses qui m'ont fait changer d'avis sur le steampunk, avec la lecture des... alors je sais jamais si c'est les portes d'Anubis ou les voies d'Anubis. Je crois qu'en français, c'est les voies d'Anubis et les portes d'Anubis. En anglais. Qui est un roman qui m'avait énormément marqué, en fait, de Tim Powers, je crois, si je ne me trompe pas. Si vous vous intéressez au steampunk, pour moi, c'est vraiment... le roman... J'ai peut-être pas suivi tout ce qui se passait, notamment on a énormément de productions en France, donc des gens qui se connaissent mieux que moi auront peut-être des conseils plus récents. Mais pour moi, c'est vraiment une œuvre à lire. En fait, ça m'a fait comprendre que oui, il y avait plein de choses à dire, et notamment donc le fait que ce soit un jeu qui soit conçu par l'auteur de Cyberpunk, pour moi, ça tire énormément de choses. Parce qu'il y a un rapport à la technologie derrière dans les... alors, les secrets du jeu, c'est des secrets très relatifs, hein, mais dans cette optique second pacte dont on parlait tout à l'heure, cette espèce de jazz band victorien, il y a aussi la volonté d'empêcher, en fait, les... certaines fées veulent pousser l'humanité à se détruire elle-même, parce qu'elles ne peuvent pas... parce que ces fées-là ne peuvent pas détruire l'humanité, et qu'elles sont vraiment très très méchantes. Et donc, elles leur font cadeau de plein de trucs qui ont l'air trop bien, de la technologie, des choses comme ça. Et, euh,
Et en fait, ce rapport à la technologie est assez intéressant. Si, je veux dire, dans Cyberpunk, c'est déjà trop tard, quoi. Le monde, il est foutu, etc. Là, on est à l'époque de la première révolution industrielle. Alors, pardon, les historiens, on est entre la première et la deuxième, mais on est au moment, en fait, où on va basculer dans ce qui va donner le cyberpunk dans 100 ans, quoi. On peut encore faire des choses. On peut se battre pour ce monde-là. Il y a... Tous ces aspects-là me plaisent énormément de se dire, mais en fait, ce jeu, quand on connaît les codes du steampunk aujourd'hui, moi que je ne connaissais pas du tout à l'époque de sa sortie, quand on connaît les codes du cyberpunk, on peut en faire plein de choses. On a beaucoup parlé du fait qu'on a fait des adaptations d'Akira, par exemple, de choses comme ça. C'est très facile, effectivement, de prendre des thématiques cyberpunk et de les mélanger, je veux dire, à l'époque victorienne. Ça se fait tout seul dans Château Frankenstein, vraiment. Mais enfin, voilà, en tout cas, si vous avez doutes, c'est peut-être sur ce que j'ai voulu dire, mais pas sur le fait que ça me plaît, quoi. Je sais que le système de jeu avec les cartes, il a rebuté quand même certains joueurs. Est-ce que, du coup, il y a une version des mécaniques peut-être simplifiées ou légèrement alternatives dans ce premier supplément qui nous propose de jouer avec des règles différentes? Alors, il y a une variation qui existe pour jouer avec des dés. Moi, très sincèrement, c'est pas ma préférée. Je vais pas vous la vendre là-dessus. Elle existe. Si, alors peut-être qu'elle suffira dans le sens où moi j'ai pas cette réticence sur les cartes, donc je ne comprends peut-être pas ce qu'il y a d'intéressant dans le fait d'utiliser des dés plutôt que des cartes. Mais il y a au moins une variante qui existe. Et sinon, enfin, il existe d'autres moyens de se débrouiller assez facilement. Par exemple, les niveaux de talent, il y a 6 niveaux de talent, donc de là à faire un lien avec un D6, c'est assez rapide, quoi. La question, c'est un très bon jeu que j'aime beaucoup et toi aussi, mais s'il y avait une chose qui te gêne dans le jeu ou un petit reproche à faire, quelque chose que... Les dégâts. D'accord. Les dégâts. C'est un reste de... Je pense que c'est un reste de la façon dont on faisait les jeux à l'époque. Et que, comme c'est un jeu qui innove sur plein de points par rapport à l'époque où il est sorti, il innove pas sur ce point-là, et du coup, ça se ressent d'autant plus. Et je pense qu'en plus... Alors, dans sa forme à l'époque, le jeu était sorti avec la moitié du livre, qui était la partie univers, on va dire, en couleur, et la partie règle, qui était d'une qualité, on va dire, esthétique moindre, en noir et blanc. Et je pense que ça rajoutait en plus sur le côté un peu... Ça donnait l'impression, visuellement, que le système était encore plus vieillot que ce qu'il était. C'est dommage. Et donc, oui, pour revenir sur les dégâts... Selon le type de qualité de réussite, c'est-à-dire si vous réussissez plus ou moins bien, vous allez faire des dégâts différents. Et globalement, c'est pas très compliqué à gérer autour de la table, dans le sens où on marque ce qu'on fait sur sa feuille ou sur son carnet. Par contre, s'amuser à compter si un sabre il fait 4, 5 ou 6 de dommages, je me trompe peut-être sur le nombre, sachant que de toute façon, on pourra prendre que 1, 2 ou 3 coups de sabre, c'est peut-être s'embêter un peu beaucoup, à mon sens. Alors pareil, hein, ça se gère facilement, c'est rien que dont les rôlistes n'ont pas l'habitude, enfin il n'y a pas de réel problème là-dessus, mais clairement moi c'est quelque chose que j'aurais géré différemment, je pense. Enfin, cela dit, je dis ça, mais à l'époque où le jeu est sorti, je pense que j'aurais fait un clone de Cthulhu comme tout le monde, quoi. Donc je pense que voilà, c'est le point que j'aurais. Techniquement, c'est le point qui me plaît le moins. J'ai cru comprendre que il y avait quelques légères modifications par rapport au texte du jeu tel qu'il est sorti en 1994 ou 1995, quelques petites modifications sur certains termes, ce genre de choses. Est-ce
est-ce que c'était une volonté de l'éditeur? Est-ce que c'était une volonté de votre part de rester vraiment très proche du jeu original? Est-ce que vous avez réfléchi à une appropriation du jeu? Comment ça s'est passé? Alors, c'est un jeu dont la première traduction française par André Deonivès, cette traduction a apporté beaucoup de choses et je pense qu'elle a énormément joué dans le plaisir qu'ont eu plein de joueurs à découvrir ce jeu à l'époque. Elle faisait quand enfin, le texte original était bon, bien sûr, en VO, hein, mais il y avait un style, il y avait une grosse partie de ce qui faisait l'identité de Falkenstein, quoi. Une fois traduit, on s'embêtait pas en lisant le jeu. Cette atmosphère, elle était très bien restituée. Donc, on voulait garder ça. Pour nous, c'était super important. Il y avait toute une série de termes aussi qui avaient été créés à l'époque de la première édition. Et qu'on voulait garder parce qu'il faisait partie de, pour nous, de l'identité du jeu, en fait. On avait tout le temps entendu ça et on pensait que ça valait le coup de le garder. Par contre, comme beaucoup de traductions qui datent de plusieurs décennies, il y avait des choses à dépoussiérer. Alors, c'est pas que le traducteur de l'époque avait mal fait son boulot, hein. C'est parce que depuis, par exemple, Internet s'est démocratisé. Et moi, j'ai du mal à en vouloir un traducteur de pas connaître un détail de l'histoire allemande d'il y a 4 siècles, quoi. Avant l'époque Internet, je veux dire. Des choses aussi qui ont été apportées par la suite, par les suppléments ou par les discussions avec Tal Sorian, en fait. Donc oui, pardon, du coup, ça venait de nous, mais on a tout fait main dans la main avec Tal Sorian pour s'assurer qu'on détourne pas leur vision parce qu'on aurait mal compris quelque chose, en fait. Il y a des trucs qui étaient un peu ambigus, par exemple. Je sais pas, Philo, si tu te souviens des niveaux, des talents dans la première édition. C'est faible, moyen, bon, excellent, exceptionnel, extraordinaire, me semble-t-il. Voilà, mais excellent, exceptionnel, extraordinaire, ça s'écrivait avec à peu près les mêmes lettres, et on s'y retrouvait jamais, en fait. Enfin, si, on s'y retrouvait après y avoir joué pendant des années, mais c'était très difficile pour un joueur, en fait, qui découvrait le jeu, même en lisant les stats d'un PNJ, de comprendre de quoi on parlait, en fait. Oui, parce que justement, ces niveaux étaient indiqués en général par les trois premières lettres, et ça donnait EXC, EXP et EXT. En termes de, on va dire, d'ergonomie, c'était pas top, quoi. Oui. Donc, on a remplacé par excellent, magistral et prodigieux. Il y aura peut-être un temps d'apprentissage pour ceux qui sont habitués à l'ancienne façon de faire, mais au moins en termes de lettres, ce sera plus facile de s'y retrouver. Après, très sincèrement, quand on dit de quelqu'un qu'il est excellent, qu'il est exceptionnel, qu'il est extraordinaire, qu'il est magistral, qu'il est prodigieux, globalement on dit qu'il se démerde pas mal, hein, y a pas de problème, quoi. Mais c'est pas forcément. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément évident, juste avec la logique et le vocabulaire, de se rappeler le niveau d'excellence, en fait. Donc voilà, là il y aura au moins les lettres. On a essayé de faire en sorte que ce soit que le truc soit plus clair. Il y avait, par exemple, dans la première édition française, il y avait une phrase. En fait, c'est une erreur toute bête, mais qui arrivait sur une phrase où il fallait pas. Où le traducteur, André, s'est trompé entre main et paquet de cartes. Et donc, si on suivait passage là exactement, dans la version française on jouait avec deux paquets de cartes, et dans la version anglaise on jouait avec un seul paquet de cartes. C'est des petits trucs comme ça, en fait. C'est pas, je veux dire, il n'y a rien d'indigne, en fait, hein, c'est pas, mais on a essayé de tout refaire parce que, je sais pas, il pouvait y avoir des ambiguïtés. Alors il y a des ambiguïtés qui sont dues au fait que le narrateur est absolument pas fiable. Donc ce fameux type qui explique l'univers, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un passage à vous expliquer qui comprend rien à la magie, et puis à l'autre il va vous expliquer qu'il a inventé des machines qui font de la magie et qu'il y a 4 personnes au monde qui savent comment ça marche dans lui, en fait. Donc il y a un moment on fait ok, on va se calmer, mon garçon, peut-être qu'il y a des trucs que tu nous racontes, c'est pas tout à fait vrai, en fait. Et
Et donc, ces aspects-là, quand c'était pas pour nous des confusions qui étaient liées au narrateur, on a essayé de les éclaircir. Après, voilà, bon, qu'il en rajoute un peu, on va pas lui en vouloir. Ça répond à ta question, Philou, ou j'ai oublié des points, je sais pas. Non, non, tout à fait, ça répond. Et j'ai une dernière question, c'est plus une question gag et éventuellement une question piège, je sais pas exactement. Mais bon, mais, on va voir. Voilà, parmi les créatures importantes, les types de créatures importantes que l'on retrouve dans l'univers, il y a les seigneurs fées. Mmh. Et leur nom scientifique s'écrit, je dis bien s'écrit, je vais mettre gros guillemets, Dawin Seed. Et pendant des années et des années, j'ai maîtrisé en prononçant ce mot comme ça, jusqu'à ce qu'on me fasse remarquer que non, ça ne se prononce absolument pas de cette manière et que ma manière de prononcer était parfaitement ridicule. Donc la question est la suivante, pour les moins gaéliques d'entre nous, quelle est la véritable prononciation de Dawin Seed? Alors je vais botter en touche, mais ce que je fais en général quand on me pose cette question, parce que ça arrive plus ou moins régulièrement, c'est que je demande à Coralie. D'accord. Mais moi je trouve que Seigneur Fée, franchement, on comprend. Hein. Ah oui, général, c'est ce que je faisais. Non, très, très sincèrement, il y a... moi, c'est un domaine que... Alors c'est pareil, je savais que ça existait, hein, j'ai pas découvert les fées avec ce jeu, mais je m'y étais pas... je sais pas comment dire, je peux vous citer les chefs de clan de la plupart, enfin d'un paquet de clans du Japon médiéval, à un moment précis, mais je m'étais pas assez intéressé aux fées, même pour savoir des différences entre certaines espèces de fées qui sont connues de la plupart des gens, en fait, tout simplement parce que je n'étais pas calé là-dedans, donc la prononciation gaélique, c'est pas ma deuxième langue, quoi, c'est pas la troisième non plus. Et il y a plein de subtilités intéressantes avec tout ça, avec ceux qui vont l'espèce en fait qui va engendrer les seigneurs fées. Et il y a plein de choses intéressantes là-dessus dans le jeu. Alors ceux-là je les prononce pas parce qu'à chaque fois que je les prononce ça se termine dans la tribu d'Anna et puis il y a des gens qui font des chansons un peu étranges et mais tout ça pour dire que il y a si c'est quelque chose qui vous plaît, il y a largement matière, mais moi je suis un cul dans le domaine. Du coup, pour préparer l'émission, j'ai fait ma recherche. Alors apparemment, Seed, à peu près tout le monde est d'accord sur le fait que ça se prononce Chi. Par contre, Dawan, j'ai pas réussi à trouver deux prononciations qui soient qui se mettent d'accord. Et ce serait quelque chose comme Tini Chi ou un truc comme ça. Mais je ne suis pas du tout sûr de moi. Seigneur Fay, c'est bien. On demande quel sera le contenu en termes de scénario dans le livre de base. Donc tu nous as déjà dit qu'il allait y avoir un scénario d'initiation, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors il y a un scénario d'introduction qui est assez court, hein, vraiment. Et ce scénario se passe à Vienne, même si bien sûr on peut le placer où on veut, et c'est une histoire de... d'amourette et d'automate, des choses comme ça. Il y a aussi, alors je crois que, je suis pas sûr du nom, mais je crois que c'est une dizaine de synopsis en fait, qui seront présents dans le bouquin. Voilà, c'est quelques paragraphes, hein, c'est pas, mais ça permet de se faire l'idée. Et puis après, ben donc, faudra aller voir dans le reste de la gamme. Quoi. On nous fait remarquer qu'il y a une magnifique illustration de dragon. On a déjà parlé brièvement des dragons un peu plus tôt dans cette interview. Donc en arrière-plan, donc ça fait grande affiche de film hollywoodien. Et est-ce que les dragons seront donc des grands méchants dans cette version de Château Falkenstein? Les dragons seront des grands, ça c'est sûr. En fait, dans ce jeu, les dragons prennent forme humaine souvent pour se mêler à la société humaine, mais pas que. Et ils se distinguent par le fait qu'ils sont très grands. Ils ont des yeux de chat aussi. Les dragons, en fait, sont plutôt des alliés, on va dire, au camp des gentils, pour le faire simplement, mais encore une fois, comme c'est un livre univers, on peut tout à fait sortir de cette logique-là. Hein.
Et c'est. Disons que ce sont les gens qui sont dans ton camp, mais il ne faut pas trop les embêter parce qu'ils sont un peu choupolés souvent. Hein. Comme souvent les créatures un peu puissantes de fantasy. Après, il y en a pas mal, et dans le livre, il y en a surtout un qui est présenté, qui est le dragon, en fait, un dragon qui se trouve en Bavière. Nous, je sais qu'à notre campagne, par exemple, on a un dragon qui règne sur les catacombes de Paris. Et sa collection, c'est justement les ossements, en fait. Et c'est un dragon qui a un côté très, très sombre, très lugubre, mais qui est plutôt un dragon gentil, en fait. Et on en a un autre... oui, parce que dans ce jeu, les dragons ont des collections. C'est-à-dire que l'image du Tador, c'est quelque chose dans les légendes, mais en fait, il y en a quasiment plus qui dorment sur des Tadors. Mais ils ont des collections d'objets qui leur sont très chers. Et un exemple, ça va être, par exemple, des pendules, des choses comme ça. Et alors pareil, je vous raconte nos campagnes, mais c'est pour vous donner des exemples. On a une exception qui est un dragon, qui est le dragon, en gros, qui est le gouverneur de la Banque de France, qui lui dort vraiment sur un tas d'or, et quand il croise le dragon, bah, il se fout un peu de sa gueule parce que c'est un truc de vieux has-been, quoi, pour les dragons de dormir sur l'or. Et lui est pas spécialement bon, gentil, quoi. Enfin, c'est voilà, les dragons peuvent vraiment. Ils sont généralement plutôt alliés au Second Pacte, mais ils peuvent vraiment être de tout alignement. J'aimerais juste rajouter une précision, c'est que les dragons peuvent être des personnages jouables. Ah oui, effectivement, tu fais bien de le dire. Ouais. C'est effectivement une précision qui a l'air fort importante, dit comme ça maintenant. C'est amusant parce que pour le coup, pour moi, c'est tellement évident que je n'ai pas pensé une seconde à lire. Et est-ce que du coup, il faut penser à l'avance qu'est-ce qu'on collectionne ou on peut le faire au fur et à mesure de la partie? Et est-ce qu'on peut changer de collection en cours? Sincèrement, je t'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce passage-là. Je ne sais pas si on peut changer de collection en cours. Je pense qu'il suffit d'en parler. Mais il y a un côté obsessionnel chez le dragon qui fait que... je sais pas comment dire. Si un joueur me demandait ça, moi j'aurais tendance à lui autoriser de le faire parce que ça lui fait plaisir, mais à partir du principe que le dragon lui n'a pas changé d'avis en fait. Et qu'il reste obsédé par les mêmes types de collections. Et pour le reste, tu me poses une colle, il faudrait que je les relise. Ça fait quelques temps qu'on a fini le livre de base en fait. Moi j'ai très peu de joueurs dragons à mes tables. Parce que tout le monde a l'impression que c'est triché, en fait, hein, de jouer un dragon. Et sincèrement, ouais, il faudrait que je regarde. Bah écoute, ça sera quelque chose à découvrir pour lorsque vous participerez au pledge, hein, n'hésitez pas, parce que voilà, il est là, il est prêt, c'est maintenant, c'est le moment. On nous demande également quel rythme pour les publications de la suite de la gamme. Donc, voilà, tu nous en as un petit peu parlé tout au long de l'émission, bah, vous faites. Comme vous pouvez, sans trop. Je pense que l'année prochaine, dans le pire des cas, on a 2 suppléments qui sortent. Donc, pour octobre, le bouquin de base, l'écran, variation sur le grand jeu, carabine et margarine, d'ici la fin de l'année, comme il faut. Et l'année prochaine, au moins, c'est 2 suppléments. Mais. Enfin voilà, une fois que comme il faut est sorti, on va revoir, on va rediscuter avec l'éditeur, on va voir comment on s'organise. En tout cas, merci beaucoup Jérôme de nous avoir consacré cette heure et demie à discuter de Château Falkenstein. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Donc n'hésitez pas à aller sur Game on Tabletop, hein, je vous mettrai le lien quelque part en description si je n'ai pas oublié au moment du montage de cette vidéo, pour que vous puissiez vous procurer votre exemplaire. Et sur ce, eh bien, merci messieurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis, et je vous dis à très bientôt.